Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Thank you.
notre naturalité évolue, vie de paix se repère à révirement assumé, pas question de repousser les élections. Le parti de Félix Tshisekedi a officiellement déclaré qu'il ira aux élections le dimanche 23 décembre 2018 avec ou sans la machine à voter. Qu'en est-il réellement au regard de toutes les vagues soulevées par ces questions et qu'ils arrivent à de réponse. Pierre Cazadi, directeur de cabinet adjoint du candidat à la présidentielle Félix Tshisekedi, du DPS, est déterminé à participer aux élections du dimanche 23 décembre 2018 avec ou sans la machine à voter. C'est une grande décision annoncée via Twitter par Peter Cazadi qui a rassuré que l'UDPS considère la machine à voter comme un piège à la fois stratégique pour ne pas aller aux élections. Il a estimé que le moment est venu pour dire clairement à l'ensemble du peuple congolais toute la vérité. À propos de ce qui posait une question, voulons-nous aller aux élections le dimanche 23 décembre 2018 ou pas? Et à lui-même, Peter Cazadi qui répond, je cite, pour l'UDPS, il n'est pas question d'envisager un quelconque boycott des élections. Les trois scrutins doivent se tenir à la date prévue, c'est-à-dire le 23 décembre 2018. L'une des formations politiques importantes dans les microcosmes politiques en RDP, la position désormais prise par l'UDPS marque une césure avec ses partenaires, le MSC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe, Komo Nadiso de Matungu, Nguyambo et l'Empire Kéry, et les idées de Martin Fayoulou. L'UDPS déclare assumer son actuelle décision d'exécuter la tenue des élections avec ou sans la machine à voter. Les Congolais se rappellent qu'en 2006, l'UDPS avait boycotté les élections et les conséquences sont connues. Et récemment, lors de la déclaration conjointe du rejet de la machine à voter, l'UDPS a appuyé par son absence. Présentation du plan Marshall par Noël Chani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 ont affirmé que cette vision de développement est axée sur 15 programmes fondamentaux bénéfiques pour la vie nationale. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au club Congo Trine Rigolo pour José Moussarana, image des commentaires. Fondamentaux caractérisant la vision de développement de Noël Chani pour la République démocratique du Congo, dont la promotion de la paix, sécurité et état de droit, ainsi que la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on décide une fois que cette vision sera mise en œuvre? La carrière a besoin d'une multitude de personnes qui ne viendront pas tout seuls en remplaçant simplement Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses acteurs et anciens collaborateurs qui doivent assumer avec lui la responsabilité de notre échec commun. Ce changement positif viendra à faire de nouveau. Pour le faire, nous devons commencer par le commencement. Avoir une bonne identité pour le pays, avoir une vision de notre personne, avoir les ressources humaines et enfin avoir un bon système de gouvernance pour que toutes les ressources publiques aillent à la tête de l'État soient utilisées pour financer le développement plutôt que pour enrichir les pays. En nous mettant ensemble, nous allons réaliser notre rêve commun, car à mon avis, l'impossible n'est pas le coût de ce plan est estimé à 800 milliards de dollars américains sur 15 ans et subdivisé en quinquennats, dont le premier sera financé à hauteur de 20 milliards par an pour un total de 100 milliards pour 5 ans. Ce budget est essentiellement mobilisé des ressources intérieures. Dans le reste de l'actualité, il n'y a donc pas de repos pour le ministre provincial des ITPR au Congo central, Papi Mambo, au cours d'une visite de prospection suivie l'état d'avancement de travaux de construction du pont Mamputu sur la nationale numéro 10, tronçon compris entre Mwanda et Kusiro. Les détails avec Carlis Kalwangila. C'est une visite qui s'inscrit dans les cadres des prospections de différentes infrastructures routières à travers la province du Congo central que le ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Papi Mambo, a effectué.
situé dans le territoire de Mwanda, à 200 km de la ville de Matadi. Arrivé sur place, le ministre provincial a été accueilli par l'autorité locale, administrateur du territoire de Mwanda. Ensemble, la délégation est allée se rendre compte des travaux en cours d'exécution sur la route nationale numéro 10 de Mwanda à Sosnir, notamment la construction du pont Mamputo, construit par l'entreprise Kotraco sur le financement de la Perenco et Sosnir. À l'issue de cette visite, Papi Mambo s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux au respect des normes orientées par la brigade de l'Office des routes. On avait demandé à l'Office des routes de nous brosser rapidement, que ce soit brossé par rapport à la construction. Et ce matin, le DP nous a remis les informations, c'est tout chaud. Donc, on a voulu remettre au représentant de la société Moko, qui, à son tour, va remettre à l'entrepreneur. On a voulu faire des observations à l'entreprise et à nos partenaires qui devaient respecter l'autorité de l'État, communiquer avec la province et l'autorité locale. Une visite encouragée par l'autorité locale de Mwanda, l'administrateur du territoire, qui a salué la descente du ministre provincial dans son territoire. Non, c'est une visite de réconfort moral. C'est une visite administrativement qui soutient les actions du gouvernement provincial et qui soutient aussi le gouvernement que nous gérons au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de Mwanda. Et rendons-nous maintenant à l'Université de Kinshasa. Nous sommes de retour dans la capitale où le Centre de criminologie et de pathologie sociale de la Faculté de droit de l'UNIKIN, avec le concours de l'Association des avocats praticiens de mode alternatif de règlement de conflit, a organisé ce lundi une conférence débat intitulée « La médiation comme un mode alternatif de règlement des conflits, portée, enjeux et défis ». Popol Ziakwaou était présent dans la salle de promotion au Seigneur Lucien. Ce débat porté sur la médiation comme un mode alternatif, des règlements de conflits portés à enjeux et défis. Les conférenciers ont démontré que la médiation peut être utilisée dans tous les aspects de droit, notamment en droit civil, droit commercial, dans la justice des mineurs et la justice pénale. Cette première journée a connu la présence des experts avocats français qui ont sensibilisé les universitaires à la question de la médiation qui a été adoptée en novembre 2017 par les droits OADA afin de recourir au mode alternatif de règlement de conflits. Nous avons organisé cette conférence sur la médiation pour réfléchir sur la portée, les enjeux et les défis, les perspectives que la médiation présente. Et donc, on a vu que la médiation peut être utilisée dans tous les aspects du droit, en droit civil, pour régler les litiges en droit civil, en droit commercial, dans la justice des mineurs et dans une certaine mesure aussi dans la justice pénale, pour une catégorie des justiciables et une catégorie d'infractions. Et donc, voilà, nous avons été heureux de recevoir trois avocats français qui promeuvent donc AVOMAF, l'association des avocats, sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Et donc, voilà, nous les remercions d'avoir pu nous accorder cette première journée à Kinshasa. Aujourd'hui, donc, on est à l'université de Kinshasa, à l'UNIKIN, pour donc rencontrer tous ces jeunes et leur dire qu'il y a cette possibilité de recourir à ce mode alternatif de règlement de conflits. Et nous aurons également l'honneur d'avoir la présence du ministre de la coopération du développement, John Fouet. La prochaine rencontre est prévue le vendredi 26 octobre 2018 à l'hôtel Pullman. Et c'est donc Papi Katassi qui a rendu ce reportage. Par ailleurs, le professionnel de médias et le personne vivant avec handicap est en formation du 17 au 19 octobre 2018 sur la sensibilisation de la campagne sur la sécurité routière avec le concours de handicap international. Rondine Tumba Chituka, Nadia Koulantouka Malala. Venu nombreux pour participer à cette formation sur les techniques de conception et de mise en œuvre de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière en faveur de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, les experts font remarquer l'absence de panneaux de signalisation, l'état de route qui souvent laisse à désirer et les personnes vivant avec handicap connaissent souvent des accidents de route. À cette liste s'ajoute le manque de courtoisie et le mauvais stationnement. Il faut toujours prendre des précautions pour éviter les accidents de circulation aux personnes vivant avec handicap. Les personnes en situation de handicap ont été parmi les bénéficiaires de la formation.
Parce que quand on parle des victimes, n'est-ce pas, des accidents de la circulation routière, ces victimes-là deviennent, pour la plupart des cas, des personnes en situation de handicap. Donc, les accidents de la route constituent aujourd'hui l'une des premières causes, n'est-ce pas, du handicap dans le monde. C'est justement à bon escient que les enjeux des personnes handicapées ont été partie prenante lors de cette formation. Monsieur Balema Bayaka est malvoyant. Il a un témoignage personnel à propos. Il n'a pas manqué de suggestions. C'est une très bonne formation. D'habitude, nous vivons des accidents et surtout avec mes frères aveugles, de temps en temps, ils sont connus par des véhicules. Après la formation, j'aurai le temps de parler à mes frères aveugles et même à mes enfants. La sensibilisation de participants à cette formation vient s'ajouter à une série infinie dans ce domaine pour la sécurité routière de tous et les personnes vivant avec handicap en particulier. Écho de la Ligue nationale de football, rencontre de la cinquième journée de la Lina Foot, le corbeau du tout-puissant Mazembe en déplacement à Kinshasa ont battu sévèrement les Immaculés du Larin Club Motema Pembe par un score de 3-0. C'était hier dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa. Les détails avec Ndaïla Mbouchi dans son reportage. Considéré comme un classico de la RDC, le match tout-puissant Mazembe de l'Larin Club Motema Pembe n'a pas connu cette ambiance. Franklin Miyayo, coach du tout-puissant Mazembe, a souhaité un monde de bienvenue à l'entraîneur italien de Derrick Motema Pembe lors de la rencontre de la cinquième journée de la Ligue nationale de football Division 1, le dimanche 21 octobre 2018 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le Corbeau a giflé le vert et blanc de la capitale sous la marque de 3-0. La première mèche du Corbeau a été allumée à la troisième minute de la première période par le touchement de Koffi Kwame, 1-0. Et Michak Elialina est venu conclure la cérémonie de but en inscrivant coup sur coup deux réalisations. D'abord l'une à la 80e minute et l'autre à la 85e de la fin de la rencontre. Ce grand duel de la 5e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football de division 1 est empoché par le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. A noter que le tout-puissant Mazembe a joué 4 matchs, 4 victoires, dont 3 à Kinshasa. 16 buts marqués, 0 encaissés, 12 points dans son actif. Les ambitions Corbeau sont claires à la Ligue nationale de football cette saison 2018-2019 de remporter les titres et de retourner aux compétitions africaines intégrées de la CAF. Et parlons maintenant d'une autre discipline, le karaté-do. Flore Flungu a une fois de plus brigué un autre mandat de 4 ans à la tête de la Fédération congolaise de karaté-do. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui s'est déroulée le week-end dernier au restaurant Florida de Lingwala. Rigo Moulopo, Patrick Borel Mukendi. Le mandat a changé, mais pas l'homme. Flore Flungu Musendu et son bureau ont été reconduits à la tête de la Fédération de karaté-do du Congo pour les 4 prochaines années. C'est la issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue samedi 20 octobre en la salle Floride Lodge de Lingwala Kabinda en présence des autorités administratives, provinciales et nationales de sport. Dans cette équipe New Look, Mouti Panda Jean-Claude a eu 18 voix sur 19 et le premier vice-président. La place du deuxième vice-président sera occupée par Mbayanzali Didier, 16 voix sur 19. Alain Papi Lombaka portera la tunique du secrétaire général, tandis que Boniface Tchoula s'occupera de la trésorerie. Flungu Flore compte continuer avec sa méthode du perfectionnisme et de la rigueur, celles qui ont fait sa réussite durant le 4 mandats passés. Nous nous engageons pour les 4 ans qui viennent à faire le pas de plus. Et le pas de plus, c'est maintenir les acquis des 4 dernières années, mais aussi maintenant développer des contacts permanents avec les provinces. Depuis l'arrivée du sénateur Flore Flungu, le karaté-do du Congo, qui était en chantier et en bicéphalisme, joue désormais gros bras
car il est présent dans les rankings et top 40 mondial, avec déjà un billet pour les Jeux Olympiques de 2022. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières, en Inde, une soixantaine de personnes ont été fauchées par un train dans la ville d'Amritsar, dans l'état de Punjab, lors de la célébration d'une fête. C'est un reportage de nos confrères d'Hero News. Ils étaient venus pour assister à des festivités. Une soixantaine sont morts, fauchés par un train. L'accident a eu lieu dans la ville indienne d'Amritsar, dans l'état du Punjab. Les célébrations de Dussehra avaient lieu ici même et la voie ferrée est très proche. Il y avait énormément de monde et tout d'un coup, il y a eu un mouvement de foule et le train est arrivé. Le public était rassemblé pour assister à l'autodafé d'effigie selon un rituel hindou. D'après des témoins, il y avait beaucoup de bruit et les victimes n'ont pas entendu arriver le train qui circulait à très vive allure. Une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées. Le ministre en chef du Punjab a ordonné une enquête et promis l'équivalent de 6 000 € de dédommagement pour les familles de chaque victime. Les accidents liés au transport sont très fréquents en Inde. Ceux liés au ferroviaire font près de 15 000 morts chaque année. Et de retour dans la capitale congolaise pour compléter l'actualité, c'est avec l'apparition de journaux de ce lundi 22 octobre 2018. C'est la revue de presse dans une sélection et commentaire de Paul Dorgaziani. Pour ce premier jour de la semaine, les manchettes des différents journaux affichent déjà la couleur de l'actualité pour le reste du jour. La grande nouvelle sera sans nul doute le meeting du Front commun pour le Congo, le 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël, qu'annonce la prospérité à sa une. Une invitation, affirment les ténors de cette famille politique, est lancée à tous ceux qui aiment le pays et qui désirent son bien-être. Ce nouveau rendez-vous avec l'histoire a été communiqué hier, 22 octobre, aux professionnels des médias par son comité stratégique au cours d'une conférence de presse. Le même rendez-vous est aussi annoncé par Forum des As qui précise que ce meeting qui intervient près d'un mois après celui organisé par l'opposition le 29 septembre 2018 à la place Boulevard Triomphal à Kinshasa est la première de la série des actions d'envergure tendant à obtenir la mobilisation générale des électeurs annoncée par le regroupement électoral. La flamme du Congo, de son côté, en a fait sa manchette. Mais l'hebdomadaire s'est aussi intéressé au tweet du directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, Maître Peter Kazadi. En croire ce dernier, indique que le journal, l'UDPS, ira aux élections du 23 décembre avec ou sans la machine à voter. Pour lui, en effet, rapporte la flamme du Congo, la machine à voter est un piège et un prétexte pour ne pas aller aux élections. Il n'est donc pas question pour l'UDPS d'envisager un quelconque boycott des élections, a martelé de son côté le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la mobilisation, Augustin Kabuya, dans une interview accordée au site d'information en ligne scooprdc.net, une interview que Forum des As a publiée intégralement. Nous voulons mettre fin à ce régime. Si nous disons que nous ne voulons pas d'élections, quelle est l'alternative pour y mettre fin, s'interroge-t-il. Pour le quotidien, l'actuelle position de l'UDPS se démarque de ses autres partenaires de l'opposition, notamment Ensemble de Moïse Katumbi, le MLC et l'UNC. Cette discordance est aussi évoquée par le vrai modérateur qui, cependant, s'attarde plus sur la marche de l'opposition du 26 octobre. Marche pour laquelle l'UDPS pose des conditions quant à sa participation, car selon son secrétaire général Jean-Marc Kabound, il y a des divergences majeures au sein de l'opposition qu'il faut aplanir. Parmi ces divergences, la question du boycott ou de la participation aux élections. Enfin, Tolérance Zéro s'intéresse à la guéguerre entre les fils du Maniema et place l'ancien Premier ministre Matata Ponyo au centre du scandale. Ce dernier, rapporte le journal, est en bras de fer avec le gouverneur Jérôme Bikenge et est reproché, entre autres, de refus de payer des taxes, c'est-à-dire l'impôt foncier, les rémunérations annuelles et celles d'implantation, sous prétexte qu'il a beaucoup fait pour cette province en la transformant en lieu touristique. Mais ce que Mapon oublie, écrit Tolérance Zéro, c'est que l'argent qu'il a eu à utiliser pour soi-disant transformer sa province, c'est l'argent du contribuable RD Congolais, pendant qu'il était encore Premier ministre. Chose grave, poursuit-il, l'homme à la cravate rouge trompe l'opinion que son centre hospitalier offre les soins médicaux, examens et médicaments gratuitement,
et que l'université Mapon offre des bourses aux étudiants, ce qui est faux et archi-faux. Au contraire, sous l'intolérance zéro, ce sont l'hôpital et l'université les plus chers de la province du Maniema en général et de Kindu en particulier. Bonsoir et bon début de semaine. Merci Polydor pour cette revue de presse. C'est aussi la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Léonard Mouemeri, Papi Katassi et toutes les personnes qui vous ont tenu compagnie ce soir. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30. Vous retrouverez Patricia Bassoamwanda à 10h et à 12h, à 16h pour le journal en Lingala. Sylvain Kapombo sera là. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir pour la grande édition du journal. Portez-vous bien et excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.